Voici les 8 dernières nouvelles de la journée du mardi 9 janvier. Première nouvelle, l'eau des bouteilles en plastique révèle jusqu'à 100 fois plus de nanoplastiques de ce qui était estimé, soulevant des inquiétudes sur la santé. Les scientifiques alertent sur ces particules minuscules qui peuvent entrer dans le système sanguin même si les recherches sur leurs effets restent limitées. Deuxième nouvelle, Gabriel Attal, à 34 ans, devient le plus jeune Premier ministre de la 5ème République, succédant ainsi à Elisabeth Borne à Matignon, loué pour son dynamisme et ses décisions populaires en tant que ministre de l'éducation. Restez bien jusqu'à la dernière nouvelle, si vous êtes un amoureux des compagnons à quatre pattes, elle pourrait vous intéresser. Allez, troisième nouvelle, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, annonce des mesures renforcées pour protéger les jeunes, réduisant la visibilité des contenus sensibles, rédigeant les recherches vers les ressources d'aide. Elle incite aussi les utilisateurs mineurs à configurer leur compte pour une utilisation plus sécurisée. Pour la quatrième nouvelle, eh bien mauvaise nouvelle si vous avez une carte bancaire, les frais bancaires en France augmentent en 2024 avec une hausse moyenne entre 2,5 et 3%. Les frais annuels s'élèvent à 66 € pour les petits consommateurs et jusqu'à 210 € pour les plus gros. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des frais de tenue de compte, des coûts des cartes bancaires et des tarifs de package. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour contribuer à son amélioration. Merci à vous. Cinquième nouvelle, la Chine crée une maquette grandeur nature d'un porte-avions américain dans le désert de Changjiang, visible par satellite, suggérant des exercices visant à améliorer la précision des missiles et des systèmes de défense. Cette démonstration pourrait signifier une préparation face à une éventuelle confrontation. Sixième nouvelle, des scientifiques ont créé un semi-conducteur à base de graphène qui est une fine couche d'atomes de carbone incroyablement robuste, léger et flexible, doté de propriétés électroniques exceptionnelles telles qu'une excellente conductivité. Il pourrait révolutionner l'informatique en offrant des vitesses de calcul plus élevées et une production de chaleur moindre. Septième triste nouvelle, Franz Beckenbauer, légendaire joueur et entraîneur de football allemand, est décédé à 78 ans et salué par la presse européenne comme l'un des plus grands du sport. Surnommé le Kaiser, il a remporté des titres majeurs en tant que joueur et entraîneur, laissant derrière lui un grand héritage. Huitième et encore triste nouvelle, en 2023, la température moyenne a atteint 14,98 degrés, surpassant de 1,48 le climat pré-industriel, marquant ainsi l'année la plus chaude de l'histoire, frôlant la limite de 1,5 degrés fixée par l'accord de Paris. Et enfin, dernière et bonne nouvelle, en Corée du Sud, une loi a été votée pour interdire l'élevage, la vente et l'abattage de chiens pour la consommation. Cette pratique traditionnelle mais critiquée pourrait entraîner des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et des amendes jusqu'à 21 000 €, mettant fin à une industrie d'un millier de chiens abattus chaque année pour la viande.